Hey yo tout le monde, c'est Thiab, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Memoriapolis. Deuxième rush, oui ça marche mieux si j'ai ma souris et mon clavier qui sont sur le bon endroit. Putain, ça se remet à bug. Anti-lag, désactivé, ah. Oh. On va peut-être réactiver l'anti-lag, hein. Non. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Hein? Non, parce que je crois qu'on est déjà en minimum au niveau des... Non, on n'est pas au minimum. On a bien baissé les graphismes. Anti-lag. Activé. Voilà. Activation des... Alors, j'ai l'impression... Ah, c'est moi? Ou l'anti-lag fait que ça lag plus? Je crois que ça assure plus. C'est même pas une blague. Attendez, je le désactive. On va voir. Ouais, ça assurait un peu plus. Bon, c'est pas grave, de toute façon on a l'habitude. Hein. Un jour je changerai... Un jour j'investirai dans une carte graphique. Quand j'aurai un peu plus de sous. Ça c'est pas grave. Alors voyons voir. Où est-ce que j'en étais? Je crois que j'attendais. Attendez. J'attendais pour faire un truc. J'attendais pas pour faire une merveille. Oui, c'est ça. Bon, regardez les 50 travailleurs là qui sont tout frais là. Ils attendent que de construire le mausolée d'Halicarnasse. Et ouais, donc modelé d'Halicarnasse, donc ça veut dire que, hélas, je suis en plein deuil de ma femme. Donc la statue, on était deux, maintenant je suis tout seul à régner, voilà, donc ciao. Voilà, j'ai réussi à me débarrasser d'elle, les gars, mais pour faire genre, je l'aimais, voilà, je vais lui construire, je vais construire un mausolée, qui me donnera de bons bonus, surtout. Bref. Les cycles passent et bientôt votre ville devra entamer une période de transition vers un nouvel âge. Beaucoup de choses changeront, des politiques, de nouveaux bâtiments, des dégradations, de nouveaux événements historiques, des dégradations, bah super. Comment ça des dégradations? On est quand même une ville active, on va pas laisser nos bâtiments se dégrader là. Pas déconner, non. Hein. Comment ça ils veulent dégrader Non, c'est pas comme ça que ça passe. Non mais ce petit champ de merde là, sérieux, on va pas pu le faire là. Là-bas. Bref, on est... Oh là, attends, on est pas si large que ça en bouffant. Oh, c'est terrible. On a que 10 de nourriture d'excès là. Par cycle. Oh, ça craint du boudin. Hein. Ça craint clairement le boudin. Hein. Pas non plus grandir la ville comme on veut. J'ai pas envie de faire un champ là-bas quoi. Là je suis déjà en train de couper du bois là où je peux. D'ailleurs du bois. Alors attendez. On va faire le mausolée. Oh ça c'est bien le mausolée qui me rajoute de... Zone constructible, on va le faire là-bas. Non ça marche pas, oh merde, dommage. Bon le mausolée qui me rapporte de... zone sécurité, je sais plus comment ça s'appelle là, la zone... Zone constructible. Donc je vais le faire vraiment le plus loin possible, genre un truc comme ça là. Juste à côté de la route, impeccable. Donc on construit, il me faut 250 tours. J'aurais fini à peine avant le passage de la nouvelle ère. Attends, mais c'était noté 250 tours et là c'est 200. J'ai eu 50 tours gratuits là. Oh, c'est cool. Collégium, oui, viens des mamandes. Bon, j'étais sur un autre problème de nourriture. On va améliorer notre ferme. Là j'ai vu que niveau bouffe on était un peu dans la mouise pour pas les poliments. Euh...
Mais les niveaux 1 aussi. Oh, bah j'aurais pu... Fournit beaucoup d'attractions. Comment dire, on va sûrement finir là parce qu'il y a un petit souci d'attraction dans le coin. Là. Pas sûr non tout. Ouais, c'est... Je suppose que il faut que je débloque de tout ça. Hein. Les gartions, le machin, le truc, le bidule, le machin là. Donc on va faire tout ça. Donc on va aller voir notre quartier de production. Il est où notre quartier de prod? Ah ouais, c'est vraiment notre quartier de prod que j'en ai un. Putain. Culturel. Esgardion là, ça s'appelait Wingardium Esgardior. Non, c'est pas ça. Satisfaction de la santé. Ouais, ouais, pas de problème, soyez satisfait sanitairement parlant, les gars, au contraire, hein, ça me va. Hein. Putain, mon jeu, il était en pause. Bon, heureusement, les. Ah ouais, ouais, regardez ça. Hein. Regardez la bouffe là. Moins 63. J'étais à plus 10. C'est un délire ça. De plus 10 à moins 63. Plus 87. Oui, à mon avis. C'est que pendant l'amélioration, la ferme ne fonctionne plus. Ça prendre en compte, c'est que lorsqu'un bâtiment s'améliore, j'ai l'impression que. Ces fonctions sont stoppées. Qu'est-ce qu'il me veut? Ville sous friction. Ils me font chier. Entre qui? Ptolémée. Ptolémée, faites attention, vous payez pas beaucoup de taxes. Alors que il racle, hein, 0,72. Donc Ptolémée, si vous voulez pas être foutu à la porte, il y a intérêt à faire très attention. Hein. On voit ceux qui payent des taxes et ceux qui les payent pas, hein, Ptolémée. Hein. D'ailleurs, je vais vendre des poutres. Je peux en vendre combien? Oula. On va vendre 100. Ça augmentera le... Je vais pouvoir raser un peu plus de bois. Ok. Bon. Écoutez. J'ai toujours pas de travailleurs. C'est... Oui, ils viennent plus beaucoup. Hein. Je suppose que c'est dû à l'attraction. Ouais, là, il y a quand même un beau quartier là qui peut se faire. Hein, donc, quoi. Là, tout là, il y a énormément. Ouais, là aussi, mais c'est pas trop constructif. Ouais, faut chier. Là, il va falloir que je rase du bois. On commence à avoir un peu plus d'habitants. Quoi encore? Non mais pas encore. Ils nous font chier. Bon, qui paye pas de taxes? Ah ouais, mais là les deux là, alors je vais foutre dehors. Sans, comment ça exclure sans? Comment ça je les paye en plus pour ce qu'ils se barrent? Non mais non, ça va pas marcher comme ça. Hein. Ils vont se barrer ou ils vont hein? Bon. Une police. Est-ce que ça aide à faire ça? Je ne crois pas. J'ai pas envie de les exclure en même temps.
Mais pourquoi ils sont pas contents? Les tensions peuvent être résolues. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Alors. Bon, soit temporairement par des décrets, mais aussi de méthode de manière définitive. Donc c'est l'expulsion. Ou un des bâtiments. Bon, bah j'ai pas le choix. Mais ça va me faire une baisse de travailleurs, ça fait chier. Bon. On va les exclure. Bon, ça me coûte des points de culture. Les enfoirés. Points de culture que j'ai dépensé en plus. Oh là 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 là, c'est terrible. Bon. Alors. Et des poussières, là j'ai un peu bégayé. Hein. C'est quoi cette route pourrie là? Oh non! C'est vrai que là j'ai des bâtiments, les routes elles sont restées, ah, c'est un peu dommage. Bon, je crois que je peux exclure. Voilà. Un problème en moins. Un problème de moins. Là, il n'y avait pas la proposition de l'amélioration. Si, on va améliorer le centre-ville aussi. Hein. Super centre-ville là. Ça coupe du bois, on aime bien. Faudrait couper un peu plus vite. Et là. Améliorer, ça me coûte quoi? Ouais, feuilles d'or ou je sais pas quoi. Ok, on a passé un autre niveau là, c'est bien. L'amélioration me demanderait beaucoup de ressources. Même. Et il me faudrait des lieux de stockage. Ok, bon. Alors, ok. Je voulais voir au niveau du rayon, on n'est pas encore dedans avec nos fermes. C'est dommage. Par contre, lui, il est en plein dedans. Ah ouais, mais non, il n'est pas vraiment dedans non plus. Hop, les relous. Qui paye le moins? Hop. C'est eux. Je sais pas encore. Vous avez de la chance. Ça viendra. Ça va vite arriver. Bonjour, qui va acheter quelque chose? Ouais. Que des trucs chiants. Bon, dommage. Tout ça c'était une forêt, faut se dire. On va pas non plus creuser les masses, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et on a un nouveau quartier là, ça c'est bien. Ici.
Oui. Revenez, mais foutez pas la mousse-beule. Culturel. Archivum. C'est quoi comme... C'est neutre. Ça a l'air d'être neutre. Bon. Bah, je ferais bien l'archivum dans le coin là. Juste à côté de la statue. Encore là. J'ai débloqué quoi? C'est quoi l'archivum? Ah si, c'était bien un bâtiment de l'éducation. Hein. Ah merde. Quartier d'éducation, il est où? Ah, il est plus par là. Hein. Merde. Dommage. Pas du tout là où je voulais. Je me suis fait avoir, c'est pas grave. J'avais qu'à faire un peu plus attention. Nécropolis, je vais faire la nécropole. Je vois encore un petit peu de travailleurs. 30 travailleurs, ouais. Ou pas ici? Non, pas en... Non, tant mieux. Ah là, ça pousse, les... ça a poussé au niveau des quartiers. Il y a tellement de choses. Et si on a deux bâtiments, une scierie et un. Comme bûcheron, au bout d'un moment, ça va pas nous embêter. Hein. Ok, si je me trompe pas, je crois que. Ouais, religion, c'est là. Bonne nouvelle. Eux, je peux les foutre dehors. Voilà. Ils nous embêteront plus. Problème de la stabilité. Ok. Hop, oh la vache, c'est grand ça aussi. Oh. On se place en périphérie de zone constructible. Non. Un bâtiment qu'on peut mettre en dehors de la zone constructible? Là, il y a des routes. Ouais, il faut chier. Attendez. C'est intéressant, mais c'est compliqué à placer aussi. Jusqu'à où? Ah, c'est loin, mine de rien.
franchement, il y aura peut-être moyen là que ça passe là. Oui. Regardez, et franchement. On les met en bord de plage, ils sont pas bien pour reposer. Magnifique. Là on est bon. Là on est bon. Limite. Là on est bon. Qu'est-ce que je vais augmenter? Ça. Oh là là. C'est bien ça, un bâtiment qui se construit en dehors des zones constructives. C'est génial. En plus au bord de l'eau. Comme ça les petits poissons ils seront contents. Hein, quoi? Oui, on... Théâtre homme. Ah, ben là, j'ai déjà fait pas mal de. Non, Emporium. Proche des rivières. Oh. Alors, on va faire des thermes et ensuite on fera l'Emporium. Parce que l'Emporium, j'ai peur de. D'un peu galérer à le construire s'il faut que je le fasse près d'une rivière. J'ai fait quoi comme bâtiment? J'ai débloqué un truc, je sais pas. Terme. Il me faut un paquet de bois. Il me faut un paquet d'argile aussi. Hein. La vache. Ah, c'est intérêt, t'as un bon bâtiment ça. Ouais, il est pas plus bon que ça. Hein. Est-ce que ça tient? Ça tient. Ça grandit, hein. Franchement, ça a de la goule, hein. Ça a de la goule. Enfin, ils aiment bien les arbres. Là, les religieux, apparemment, ils aiment les arbres. Quelques endroits, ils aiment bien aussi, mais pas partout. Hein. Ouais, je vais sûrement aussi devoir améliorer mon bâtiment qui me. Mon bâtiment de stockage. Bon, le bois, ça coupe pas assez vite là. Hein. Est-ce que je vais avoir besoin. Tu me diras. Même si j'avais du bois, j'aurais pas les travailleurs. Donc. C'est pas bien grave. Ce pont, on sait pas comment il est apparu, hein, mais. C'est un joli pont pour l'époque antique, hein, quand même. Hein. Pas sûr qu'il savait faire ça. Hein. Des arches comme ça. Petit souci de réalisme, je pense. C'est pas très grave. Oui, vous voulez vous installer. Les fermes entiers, allez. Ils sont discrets, apparemment. Installez-vous donc, les gars. Aucun souci. La fin de la main-d'œuvre. Tout ça. Terme, ça ne demande pas de pierre. Ok, donc je vais voir si je peux vendre de la pierre taillée. Oui. Voilà, très bien. On va se débarrasser un peu de pierre là. Ah, pas trop de la pierre, c'est vrai qu'on en a pas non plus. Oui, 7000. Oh, je sais qu'on en aurait un peu moins. Terme, c'était. Quel type de culture ça, les termes? Politique, ils sont par là. Ouais, on va foutre par là, un truc comme ça, donc on va être content. Près de la montagne, comme ça, au moins ce sera un petit peu réaliste.
Donc c'est dit que ça avance, ça. C'est plutôt pas mal. Ça a de la goule. Le chapitre 10. Depuis les premières tentes de vos citoyens jusqu'à aujourd'hui, un long chemin s'est dessiné, parfois turbulent, parfois paisible. Vous arrivez à maintenir l'ordre parmi vos habitants. Votre ville est si admirée que le dirigeant de votre nation vous a choisi pour accueillir la première merveille du pays. Par où devriez-vous commencer? Elle est bientôt prête, ça veut dire qu'on va bientôt passer à l'âge suivant également. Attention. Ça se construit pas mal. Une dizaine de tours là. Je propose qu'on voit, qu'on regarde ensemble l'achèvement de cette merveille. L'accomplissement, l'achèvement. Ouais. Peut-être la ferme aussi qu'il faudra améliorer encore. On a beaucoup de vagabonds. Hein. Un petit tour pour le mausolée d'Halicarnasse. Comment ça? Bah. Oui, lui, il est temps d'évoluer avec lui. Les mœurs évoluent dans la ville de la région. Les vêtements sont ornés de pierreries, broderies et bijoux travaillés. De nouvelles coiffures apparaissent, de nouveaux plats sont disposés sur les tables. La religion change et les rites évoluent avec elle. Les lois sont plus encadrées. La vie citoyenne diffère des cycles précédents. Vous avez la possibilité d'entamer votre transition vers le Moyen-Âge. Mais prenez garde, les bâtiments ne seront plus les mêmes. La politique va changer et les requêtes de vos citoyens évolueront. Vos choix à venir seront décidés dans l'évolution de votre nation, de votre ville. On peut pas attendre. Oh merde. Oula, attends, oula, attendez, attendez, oula. Un carnaval. Tant que c'est la fête, ça me va. Hein. Tant qu'ils foutent pas le bull, ça n'est pas un problème. Moi j'aimerais juste avoir le bois et la main d'œuvre suffisante. La main d'œuvre ça devrait aller. Moi je suis en rouge, j'en ai 100 et des poussières. C'est à cause du carnaval? Ah, le carnaval se propage dans la ville. Ah, ouais. Ah, c'est pire qu'un incendie ça. C'est-à-dire qu'ils vont tous glander? Non. Oh, pas de malheur. Hein. Non, voilà, bon. Voilà, tu as la taille des termes, toi. J'ai demandé des termes, hein. J'ai pas demandé des fermes, hein. Faut pas déconner. Hein. La vache. La taille du mât, la taille du bénouf, toi. Bon. On va foutre là. Rendu où? Ça on est à peu près bon. Ça on n'est pas suffisant. Ça on n'est pas suffisant. Ça on est bon à peu près. On va faire ça. Faire ça et bon, on va passer au, à l'âge suivant. Hein. Je crois que. Pas avoir spécialement le choix. Hein. On va peut-être attendre que le bâtiment soit terminé. Hein. C'est trop, je l'ai fait pour rien. Hein. Qui sait?
Je n'ai jamais passé l'âge suivant avec ce, dans ce jeu, donc je sais pas du tout ce que ça va faire. Donc, ça se trouve, ça c'est une connerie d'avoir fait ça. Et d'avoir consommé la majorité de mon bois. Oui, oh, pff, ça, c'est, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que je vais consommer du bois pour faire du charbon de bois. Qui... C'est... Je pourrais peut-être faire un peu plus de production de bois, quoi. Suspense. Moi, ça a de la goule, quand même. Allez, changez d'âge, les gars. Quoi ça? Genre il y a une cinématique avec la construction des bâtiments. Donc j'ai rien construit en 150 ans par le centre-ville, ouais. Ah c'est ça. Ah c'est original ça. Bon graphiquement c'est de la merde parce que mon PC. Mais c'est original. L'arena, effectivement, en 210, deux ans après le précédent machin. Là, je les ai enquillés, mine de rien, en 210. En arena, ensuite. Peut-être un pouillon, par contre. En 217, l'atelier de céramique, donc 7 ans plus tard. 12 ans plus tard, le centre d'Agogé. Pardon, 29 ans plus tard, le forum. 3 ans plus tard, la Via Adificium. Putain. Bon, là après, on a possiblement eu un petit peu de délai. Hein. C'est il y a quoi 32 plus 30, 62 plus 971 et 71 ans plus tard. Ah ouais, bah après, oui, bon, ça fait un peu plus long, 62 ans. Là, 59 ans, 36 ans, ça s'améliore, 39, ouais, pas mal, 40, 44, 48, 23 ans, et là on sait que là par contre ça va vraiment s'améliorer, 69 ans pour celui-là. Là presque 200 ans entre André et la Galma là qu'on a rénové et l'Eragestérion là à presque 200 ans on a 177 ans ouais. 45 ans plus tard là, on a été bon en vrai. Entre les archives et la nécropolis c'est pas des années c'est des cycles. 34 cycles et 102 cycles. Et mon merveille. J'ai pas le merveille quand même. La menace de Macédoine. Lorsque vous avez soutenu les Cérés dans leur défense contre la de Macédoine, les troupes étaient si galvanisées et convaincantes que vos ennemis en frissonnent encore. Mais maintenant, le royaume hellénique formé par les cités grecques rêve de conquête. Ah. Pour renforcer nos alliances en frappant dans les mille cités grecques, frappant la cité grecque Rome, les cités grecques Rome, ah oui d'accord, les avantages sont nombreux, autant d'un point de vue politique, commercial que militaire. Hmm. Ah, je perds une route commerciale dans les deux cas. De la sécurité de l'appartenance. Ah ouais, ouais. Ouais, bien sûr que... Ah mais c'est mieux. Score antique, 69%.
sais pas trop ce que ça veut dire. Ça fait maintenant des centaines d'années que la famille n'a pas eu de dirigeant notable. Comment ça? Ne pas empêcher de rester au contrôle de la ville pour nous en sortir, la pensée qui est sur le savoir à transmettre. Hein. À le passage du temps, les traces durables dans l'infrastructure, certains bâtiments deviennent obsolètes. Ah. D'autres sont mandatés par le propriétaire pour des raisons diverses, mais sûr. Mais tout le patrimoine historique n'est pas perdu. Vous avez 4 bâtiments à préserver. Oh. Ouais, bah, c'est ce que je pensais. Je vais préserver ceux qui me donnent le plus de bonus variés. Et parmi les derniers qui sont plus efficaces. Ok, lui il est bien. Hein. Stadio là. Un autre là où il y en a 3 des. Donne plus de satisfaction. Moi, les impressions de savoir-faire, qu'est-ce que c'est? On va faire ça, parce que les ruines. Début du Moyen Âge. Attends, quoi? Je vais quand même pas devoir replacer un centre-ville? Ah ouais? Non. Tu vois, je pensais pas là. J'ai envie de le mettre par là. Trop loin d'un centre-ville. Ah ouais, non. Là, par exemple, je peux. Je peux pas le placer. J'ai aucun endroit pour le placer. De manière intelligente, mon centre-ville. C'est nul. Sûrement, je pouvais le placer à peu près. Non, j'ai vraiment, hein, c'est pas une blague. J'ai aucun endroit pour le placer. Attends. C'est pas l'eau là, et oh les mecs. Parce que je peux pas le mettre dans les forêts. Je suis au bord de map. Je peux le mettre là, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire un centre-ville là? Ouais, je peux le mettre là. Toi, tu parles d'un centre-ville, toi, tu parles d'une galère, le centre-ville là? Terrible. C'est pourri, hein. On va être honnête, hein, c'est pourri, hein. Mais j'ai pas le choix. Bon. Je peux pas le garder pour plus tard. Oh, c'est moche. Bon, on va mettre un centre-ville médiéval. Hein. Installation. Je peux les détruire, les anciens bâtiments. Ok. Oh la vache. Et ça va être le zbeul là.
Ah. Je peux les faire évoluer. Ça, c'est intéressant. Ah d'accord, ils sont abîmés en plus. Oh la vache. Bon. Chose à faire, c'est que je vois que pour la réparation, j'ai besoin d'énormément de bois. De bois et de pierre. Hein. Oh la vache. Je vais augmenter mes productions tout simplement. Donc camp de coupe là. Là. Je vais refaire une petite carrière là. Je sais pas encore trop où, mais non, pas terrible. Ici pas ouf. Bon, je vais compter sur vous. Moustier, oh ouais, ça me demande énormément de ressources. On va déjà commencer par réparer nos bâtiments, je crois, enfin améliorer nos bâtiments. Heureusement on a le mausolée d'Alicarnasse, pas sûr qu'il fasse grand chose, mais non, là, le centre-ville le plus pété de l'histoire. Vraiment pété de chez pété, hein. J'ai fait une cabane. On peut avoir un carnaval encore. On va améliorer les camps de bois, là. Ça fait, ça fait, hein. Oui. Ah bon ? Comment ça ? Comment ça, là, d'un coup, je produis plus assez de bouffe ? C'est le carnaval, ça, encore. Saloperie. Bon, on va améliorer nos fermes. De l'or pour passer au niveau 3. Du fer, je sais même pas comment faire du fer. C'est une consommation. Et comment ça se fait là? Comment ça se fait que d'un coup j'ai Ah, je te dis, c'est à cause du carnaval là, ils sont tous en train de chômer ces enfoirés. Au moins 200 de bouffe. Soit c'est le carnaval, soit c'est le passage à l'ère d'après. Non mais attends, enfin, je veux dire, je passe à une ère et là d'un coup, c'est pas moins 300 de bouffe. Différentiel, tes gens mangent 3 fois plus. Vache, c'est beaucoup là.
Bon, on est moins mal en perte, mais on est toujours en perte. Super. On va redébloquer toutes mes routes là. 2000, ouais. Ah, tranquille. C'est pas cher ça, hein, si. Elle a 0,84 unités, 1, 0,85, 0,80. Donc eux sont le moins cher. Donc je vais en acheter 2000, 3000. Je vais en acheter 3000. Bouffe. J'ai pas trop le choix. Je prends pas assez. Là d'un coup. N'était plus bonne. J'espère que c'est dû au carnaval. On va attendre un peu. Je sais pas trop à quoi d'autre ça peut être dû. Corderie. Attends, ça me parle ce bâtiment. Ce bâtiment il est connu, mais il est connu en France, je crois, ce bâtiment. Non, je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Je suis en culturel là. Ah oui, je suis en culturel. Ah oui, c'était un truc de Mario, je sais pas quoi. Petite mine, produit fer ou or. J'ai pas le choix, j'ai besoin de fer. J'ai absolument besoin de fer, donc. Ah oui, mais la question c'est où est-ce qu'il est le fer. Fer. Ah d'accord, il me faut du fer. Ah non, c'est l'acier, ok, super. Elle est un peu là. C'est où le truc des ressources? Ça c'est quoi? Fer. T'en as un peu là, t'en as un peu là-bas, ouais, vers les montagnes quoi, classique, et là. Ouais vraiment, ouais donc là aussi, mais des coins où j'ai vraiment pas trop accessibilité quoi. On est ici mais bon faut réussir à le poser quoi le truc. Il y a moyen. Alors on va mettre dans l'autre sens. Voilà. On va prendre du fer. L'or, on verra plus tard. Par contre, le bois, ça coupe ou... Plus vite que ça, hein. Ouais, tu me diras, je vais en pause. Je pense que ça va pas couper des masses. Oui, bon. Je produis du fer, c'est bien. Bon, il faudra aussi de l'acier. Hein. Or et feuilles d'or. Hein, purée. Bon, si on regarde des bâtiments culturels, ouais, bon, on reste sur le même principe. Qu'est-ce que ça me débloque là? Ça me débloque pas la production d'acier. Quel dommage. Pas de peau. Mur foutu carnaval là. On a plus qu'un. Chute de Constantinople.
apparemment faudrait les soutenir. Mais dans tous les cas, j'ai pas assez de bouffe. Donc c'est chiant. Je fais quoi? Je fais un champ là, en plein milieu là. Je vais pas avoir le choix. Hein. J'ai vraiment pas envie de le faire, mais. À moins que. Bon là les gars, vous servez à rien là. Faire des champs hein. Des champs sur les bords de plage. On verra plus tard hein, si on modifie. Mais... Je crois qu'il va en falloir une autre ferme. Ouais, je vais pouvoir la monter de nouveau. Je l'améliorerai. Besoin d'acheter du bois apparemment parce que malgré mon nombre de camps de coupe là ça avance pas, alors j'en consomme aussi. Je sais pas si j'en passe, mais il me prend trop vite, il va attendre production là. Camps de coupe, il y a une toute grosse chose là. Oh merde, putain, je l'ai même pas vu quoi, terrible. Bon, et j'ai bien fait de mettre de l'or de côté. Le racheter du bois, putain, il est cher le bois là. Oh la vache! Bon. On va pouvoir améliorer notre premier bâtiment, enfin réparer notre premier bâtiment. 60 tours! Oh! C'est beaucoup là! Putain, le prix et le temps! Terrible! Bon. On me dit que je peux améliorer ça. Je peux plus améliorer. Faites comme je vous. Bon, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Le passage d'une ère à l'autre est un peu. C'est un peu le bordel. On va voir ce que ça va donner. On va voir où est-ce que ça va donner dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Je vous dis à la prochaine, c'était Tiob.